Mickaël, à l'arrivée du rallye du Marcanterre avec un nouveau pare-choc sur l'Opel Adam. Ça a bien fonctionné, tu as fait des bons temps grâce au nouveau pare-choc. Non, pas grâce au nouveau pare-choc. Après, dans la première boucle, on a eu du mal à se mettre dedans. Mais après, dans la deuxième boucle, ça a été là. Bon, après, il faut assurer aussi l'auto pour la finale. Donc, parce que maintenant, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Donc, non, après, y avait Richard là, qui est venu avec l'Opel Adam. Du coup, ça permet d'avoir une autre Opel aussi. Et ça a été. T'es devant quand même? Ouais, on est devant, ouais. Après, Franck Chevalier, il m'appelle le roi de la dame, lui. Ouais, d'accord. Ah, c'est vrai, hein. Elle te va bien, hein. Ouais, ouais. Et puis, on a niqué Dimitri Laroche aussi. Ah. Non, mais il n'y avait plus de frein. Hein. Il s'excuse, il n'y avait plus de frein, donc il ne pouvait pas te battre. Voilà, mais il n'y a pas besoin de frein, normalement. Hein. Bon, Ludo, l'arrivée du rallye du Marcanterre, ça t'a plu? Ouais, un super beau rallye, des super belles spéciales. Un super beau temps, un peu trop chaud, mais un beau rallye, une belle édition. Franchement, une belle organisation. Prochain rallye, c'est la finale? Non, on fait le Charlemagne. Il devait aller au Carré de France, mais avec le travail, ça va être trop compliqué. Du coup, on fait le Charlemagne, et puis après la finale. Ouais. Merci à toi, puis rendez-vous Charlemagne. Merci. Merci à toi, Greg. Merci.